Je voudrais d'abord moi remercier tout le monde de m'accueillir chaque année, en fait, de renouveler mon contrat sur la direction artistique, parce que je prends de plus en plus de plaisir à travailler à Nantes. Vous savez que ma ville d'origine et la ville où je réside, c'est Le Mans. Ma principale activité, c'est le repas jazz Festival du Mans. Mais venir travailler à Nantes dans cette mouvance culturelle, aussi bien au niveau de la ville que du département, est quelque chose pour moi de très enrichissant, très important. Je ne parle pas de la région, parce que je connais les actions culturelles de la région, puisque j'en fais partie également avec le repas jazz, mais en ce qui concerne le département Loire-Atlantique et la ville de Nantes que je connaissais moins, je trouve que c'est un vrai bonheur de venir à chaque fois travailler dans cette mouvance-là, en tout cas, surtout quand on habite Le Mans, où parfois les choses sont souvent plus difficiles, et où l'action culturelle est quelque chose parfois de compliqué. Donc merci de renouveler ce contrat. Je voulais dire simplement aussi que l'événement Rendez-vous de l'air, ce n'est pas la programmation dont je vais vous parler. Effectivement, c'est une programmation, on peut la rencontrer comme dans pas mal de lieux de jazz, de festivals de jazz, même si je pense qu'elle est probablement bien choisie, attentive, pleine de découvertes, de créations. Non, l'événement c'est simple, vous le savez tous, Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, l'événement c'est qu'il y a 150 000 spectateurs. C'est ça le point capital de ce festival, et de faire du jazz devant 150 000 spectateurs, c'est quelque chose d'absolument hors norme. Tous les musiciens qui viennent jouer chaque année le disent, ils ont un contact avec un public qu'ils n'ont nulle part, et surtout pour des groupes qui ne sont pas du tout habitués, des jeunes groupes notamment, jeunes musiciens professionnels qui vont jouer sur la scène Sully ou sur la scène Loire-Atlantique, ils vont jouer soit devant 1000 spectateurs ou 4000 devant la scène Sully, et avec à chaque fois un accueil excessivement chaleureux. C'est ça qui fait l'extrême originalité, ça n'existe pas ailleurs en France. Il n'y a pas de point de comparaison, il y a plus de monde qu'à Marseillac, il y a plus de monde qu'à Nice, qu'à Antibes, et puis surtout il y a des publics attentifs. Le seul exemple qu'on pourrait trouver, c'est le festival du Parc Floral à Paris, même si l'entrée est légèrement payante, mais il y a beaucoup moins de monde, en tout cas pour le prochain concert, et puis c'est pas un vrai festival qui dure 3 jours, 4 jours comme celui-là. Donc c'est ça qui était très intéressant quand on fait une programmation, c'est de se dire qu'on va le faire pour un public très nombreux, à 80 ou 90% un public néophyte, et donc c'est ça qui est passionnant. En ce qui concerne la programmation, je n'arrête pas de le dire depuis que je suis arrivé, elle ne tourne qu'autour du jazz, c'est-à-dire du jazz, rien que du jazz, mais tous les jazz, c'est-à-dire qu'on démarre au blues, on finit à l'électro-jazz. Et ça, c'est quand même assez original, puisqu'actuellement, la grande mode dans les festivals de jazz, même les plus connus, c'est d'aller chercher, souvent par intérêt commercial, rarement par désir artistique, de mixer le jazz avec des musiques annexes. En ce moment, on va démarrer un festival avec lequel on collabore d'ailleurs pour la Bunky Green, le festival Jazz à la Villette. À Jazz à la Villette, on va trouver des musiciens comme Daniel Dark, comme Sean Cutty, comme Amadou et Mariam, qui sont très respectables dans leur genre de musique. Hein. Je ne critique pas leur musique, mais ça n'a rien à voir avec la musique qu'on essaie de défendre. Amadou et Mariam, sûrement pas. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de proposer ça, c'est de se recentrer le festival autour de toutes les musiques de jazz. Elles sont tellement variées, il y a tellement de différences entre Mac Arnold, qui est le musicien américain qui a joué avec Johnny Hooker, qui viendra sur la scène blues, et puis Quantique, le groupe colombien qui va jouer de l'électro-jazz sur la scène électro. Il y a un tel éventail de choses différentes que ça suffit bien de rester sur ces histoires-là, sur cette famille-là qui appartient à la grande famille du jazz. Donc, je terminerai quand même sur les projets qui vont se dérouler en cours là pendant le festival et qui vont continuer. D'abord, la présence de Paolo Damiani qui jouera avec Jean-Louis Trovesi et va continuer lundi avec une réunion avec Jean-Marie Bellec et les gens du conservatoire, parce qu'on est en train de préparer un programme de lien comme on a fait avec Jacksonville, même si Rome n'est pas jumelé avec Nantes. Mais pour faire un lien entre le conservatoire de Rome et le conservatoire de Nantes autour des classes de jazz, puisque Paolo Damiani est directeur de la classe de jazz du département de jazz du conservatoire de Rome. Et donc il y a des musiciens nantais qui vont aller jouer au festival à Rome, qui s'appelle la Striccia di Terra Feconda, et également faire un travail comme on a fait avec le sextet, 3 musiciens nantais, 3 musiciens de Rome, italiens, pour faire un aller-retour entre les deux festivals. Et puis, on insistera toujours sur le Jacksonville, puisqu'ils ont la chance d'avoir 2 beaux festivals et puis avoir des musiciens comme Bucky Green. Donc on va continuer à travailler sur cet échange avec Jacksonville, qui pour nous est important. Et puis on ne perd pas le lien avec le Japon, d'abord parce que maintenant on travaille régulièrement avec Niigata
pour le renvoyer des musiciens importants de la scène nantaise. L'année dernière, c'était François Ripoche qui avait présenté son projet Francis et les Pins. Cette année, c'est un autre aspect, c'est Philippe Ménard qui vient de jouer la semaine dernière à Ligata. Et chaque année, on va imaginer l'envoyer des musiciens de la scène nantaise. Autre chose, parfois, parce que Ligata avait tendance à nous demander avant plutôt des choses très traditionnelles. Là, on essaie de bousculer un peu les habitudes pour leur proposer des choses beaucoup moins traditionnelles et des choses qui peuvent un peu changer un petit peu leur programmation. Voilà sur les différents projets. Et puis, moi, j'espère qu'on va attirer encore plus de 150 000 spectateurs, puisque c'est les spectateurs qui font la programmation.